Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 25 de notre aventure américaine sur Far Cry 5. Et ça y est, Jacob vient de me récupérer à l'instant où j'ai lancé le jeu. L'un de vous sera fort. Arrêtez. Dégage de là, mon grand. Je vois bien que tu souffres. Dieu nous donne et il reprend. Mais tu n'es pas le seul à être testé. Tu savais que j'avais été marié. Elle est belle, n'est-ce pas? Nous attendions notre premier enfant. Nous n'étions pas bien vieux nous-mêmes. Et j'étais terrifié. J'allais devenir père. Nous n'avions pas d'argent. Elle ne s'en faisait pas. Elle pensait au fond d'elle que tout irait bien. Elle a toujours eu la foi. Et puis un jour, elle est partie pour voir une amie. Elle a eu un accident. Et Dieu prend. On m'a conduit jusqu'à l'hôpital, et on m'a mis dans une salle avec cette petite chose toute rose, pleine de tubes. Et ils m'ont dit qu'il fallait que je reste fort, parce que ma petite fille allait s'en sortir. Dieu allait veiller sur notre enfant. Et ils m'ont laissé là, seul dans une pièce avec elle. Je l'ai fixée. Ma petite fille. Sans défense, si innocente. Et tout ce qu'elle avait au monde, c'était moi. Un minable venu de nulle part, sans le moindre sou. Et à cet instant, j'ai su que Dieu était en train de me tester. Il m'indiquait la marche à suivre et j'avais simplement à choisir. Alors j'ai posé ma main sur sa tête minuscule. Et je me suis penché, je pouvais la sentir. Et nous avons prié ensemble. Prié pour être sage. Prié pour être fort. Et à cet instant, j'ai compris. Dieu avait un projet pour moi. J'ai avancé les doigts pour les placer sur le tube en plastique relié à son visage angélique et je les serrai. Et après quelques instants, elle a donné des coups de pied encore et encore. Et puis plus rien. Le calme. La libération. Dieu nous donne et Dieu... Douleur, sacrifice, tout ça fait partie de son épreuve. À nous de prouver que nous pouvons le servir, quoi qu'il exige de nous. Tu as bien travaillé. Restez fort, mission principale, ok. Il a carrément tué son gosse. C'est méga hardcore. Mais je vais le refaire à chaque fois. C'est terrible. Ok, on est reparti. J'ai l'impression qu'on l'a déjà fait. C'est une mise en conditionnement. Technique militaire hein, très utilisée dans l'Ohio. Bien évidemment, l'Arkansas, le Texas et beaucoup d'autres départements. Ah bah, les faibles. Des États-Unis d'Amérique, et cette fois-ci, croyez-moi que je me dépêche. Ok. Abattons les faibles!
ici. Ça dégage, hein, ça dégage très rapidement. Aucun problème. Par contre, faut aller où maintenant avec ces conneries? Hop, je viens de par là. Allez. Donc, je dois chasser... Ah, mais c'est terrible. Par contre, j'aime bien la musique. C'est la musique... Hollywood. Oh, je prends. Je prends, ça peut être cool. Ça peut être bien plus que cool. Ok. Oui, aucun problème. Ouais, mais... Pourquoi avoir mis la même phase? Ça mène à quoi? Sachant que la prochaine fois, normalement, je le bute. Littéralement. Je vais lui mettre ce qu'il mérite à Jacob. Et après Jacob, je sais pas du tout comment ils vont faire. En sorte que Joseph et moi, on se rend compte. Ça peut être insane. Ça peut être incroyable. Ah là, ça me plaît, mon pote. Ok. Oh. Oh, le délire. Très bizarre ce qui s'est passé. Hein. Ok, il y a eu un carnage. C'est moi qui fais tout ça? Non, quand même pas. Je suis tombé de là-haut, vous croyez? C'est fort possible, hein. Ça par contre c'est fort possible. On se souviendra de la drogue. Très bien, bon. Ça les amis, ça c'est fait. Il est temps de se casser. On a beaucoup de quêtes à faire. Alors, voilà ce que je vous propose. C'est la dernière étape. Clairement, une fois qu'on aura rempli la jauge, Jacob et moi, on va se la donner, on va se mettre ce qu'on mérite. Voilà ce que je vous propose, c'est d'aller tout simplement ici. On prend un hélico d'attaque, d'accord? Et on se dirige sur la quête. On va voir ce qui se passe, je sais pas du tout ce qui nous attend. Je peux juste vous dire qu'il y a deux quêtes. Ça risque d'être incroyable. Et j'ai hâte de voir ça. C'est parti. Allez, on est parti! On va prendre mon hélicoptère préféré parce que c'est quand même une sacrée dinguerie. On va faire tab. J'ai une quête, le plein de matos, rejoignez la tour de guet et rejoignez le centre touristique disparu au combat. Laquelle faire? Celle-là, elle me tente bien. Ouais, à trouver les caches de survivalistes. Et celle-ci, c'est quoi? Sauver. Retenu prisonnier. Allez, on va faire celle-ci. On va faire celle-ci, on va sauver des prisonniers. Ça me tente bien, c'est toujours, tu vois. Je suis quand même quelqu'un de très généreux finalement. C'est vrai, j'ai envie d'aider les gens. J'ai pas envie de laisser dans cette galère de merde. Bon, on a pris un hélico. Oh, c'est juste ici. Doucement, 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 doucement. Vous êtes là? C'est Ellie. Je peux vous voir. Toute la montagne est truffée de caméras. D'accord. Le centre est droit devant et il grouille de cinglés. Faites attention. Ok. Otage de la mini sauvée. Oh putain. Oh putain. Ah, ce bruit. Ah, le bruit. Comme je l'ai déjà dit, mon père, ils tueront nos gars. Alors vous faites pas voir. Il y a un conduit d'évacuation près de vous. Vous avez qu'à passer par là pour les surprendre. Ok. Ah, ce bruit des enfers, frère. Ah, c'était terrible, hein. Je suis désolé pour vos oreilles. Les miennes ont pris cher aussi. Surtout pas de bruit. Vous avez entendu quelque chose? J'ai rien entendu, hein. Je suis mort, hein. Je suis totalement mort. Ah merde, ils savent que vous êtes là. C'est terminé. Allez, on y va à l'ancienne, les gars. Yo, allez, t'es libre. Yo, t'es libre. Oh putain, ils sont tous blessés, Miskin. Ok. Qui d'autre? J'entends, ça vient d'où? Non, lui, c'est lui qui souffre. Hop, ça, c'est rien. Ok, ça c'est fait. Bon bah sécurisé les gars, on a sécurisé un maximum, hein. On a sécurisé un maximum. On va dire ça comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Ok,
j'entends des bruits chelous par contre, hein. Frère, j'étais pas prêt pour ça. Dieu a intérêt à me garder en vie. Ouais, sinon, non mais attends. Je m'occuperai de lui. Je veux que Dieu me donne ma mission là, non? Otage de la milice. Faut que je les cherche, les mecs. Attends, j'étais à 4 sur 4 sur 1. Et puis maintenant, maintenant c'est fini, les mecs. Genre, on part à zéro, les gars. Eh, c'est rien. Ok. Merde, putain, ils ont emmené deux des nôtres au Devil's Drop. Oh. Jacob est sur le sentier de la guerre, il cherche le Wolf's Den. Si les cinglés nous trouvent, on est foutus. Et si nos gars crachent pas notre position, ils seront balancés du haut de la falaise. Maniez-vous, officier. Le Devil's Drop est au sud de votre position. C'est du mytho, hein. C'est du mytho de ouf, les gars. Moi, je vous le dis, hein. On se fait mitonner, les mecs, hein. C'est à 500 mètres. Heureusement qu'il y a mon super hélico plutôt bien garé pour le plaisir. Hop, et impeccable. On reprend exactement le même. Il n'y a aucun putain de souce, les gars. Allez, voilà. Il n'y a rien d'embêtant, les mecs. Allez, on y va. Rejoignez le tunnel Oak. Aucun souci. On va y aller. Ou Okai. Oak. Oak. Ok. Oak Eye. On dit un œil. Tu vois. Donc l'œil de Oak, finalement. Donc le Oak Eye. Tu vois ce que j'ai dit là? Oak Eye. Mais putain, vraiment. Ok, les gars, on arrête de déconner. Là, c'est sérieux. Ok, sécurisé. Je vais te sécuriser ça, faudra pas parler chinois. Hop, c'est sécurisé ça les potes ou pas? C'est Bibi qui régale. Ok, et hey, les gars. C'est compliqué cette histoire. Ok. Ok. Il y a un mec qui a piqué mon idée. Il y a un hélico, il a piqué mon idée. C'est pas juste, les gars. Hein. Vraiment. Hein. Ok. Quoi? Ça dégage. Hein. Ça dégage très rapidement. Allez. J'y vais à la batteuse. Hop, c'est terminé, mon pote. Ok, otage restant 2 sur 2. Très bien. C'est fait. Et sauver les White Tails, ils sont où? On n'a aucune putain d'idée. J'entends plus rien, les gars, hein, de mon côté. Hein. Il y a un problème, là. L'expédie s'est relativement vite fait, on dirait. Ok, on a eu très très chaud. C'est bon, les gars, aucun souci. Ça, c'est fait. Allez, je me suis posé des questions hein, quand même hein, pendant un moment. Allez, disparu au combat. C'est fait. Donnez-moi un maximum de RP, s'il vous plaît. Mais vous avez fait de votre mieux. Le fait que vous nous ayez donné un coup de main va remonter le moral des troupes. Peut-être même que ça incitera des gens à nous rejoindre. Je savais que Tammy se plantait à votre sujet. Félicitations. Vous êtes des nôtres. Si vous avez le temps, j'ai une autre mission. Venez me voir au Wolf's Den quand vous pourrez. Eh hey, les gars, hey, c'est incroyable. La vie de moi, les gars. Jacob, envoyez les élus à vos trousses en avion. Ah. C'est chiant. White Days avaient des doutes quand vous nous avez rejoints. Mais c'est plus le cas. Et c'est pas moi qui les ai convaincus. C'est ce que vous avez fait. Les actes valent bien plus que les mots. Les gens se précipitent chez nous pour rejoindre les White Days. Vous leur redonnez espoir. Ça faisait un moment qu'on attendait ça, officier. Un bon moment. Eh bien, une bonne chose de faite. Bon, cette fois-ci, on va avoir des avions à notre trousses. J'espère que vous suivez toujours. Jusqu'ici, on est parti, on continue. Eh ben, on va faire le plein de matos, hein, les mecs. Hein. C'était juste à côté. Aucun putain de problème. On va aller récupérer tout ça. Ah, un des avions. Hop, ça dégage. Hein. Oh, son espérance de vie à lui. Je l'ai réduite. Mais c'est l'Amérique, les mecs. À l'Amérique, t'as pas le temps de vivre. T'as pas le temps de parler. Ici, on parle pas chinois, mon pote. Hein. On parle américain, mon gars. Hein. Vous me recevez? C'est Witty. Si vous êtes tout près de la tour, récupérez la carte. Ok. Je vais atterrir ici comme un colis. Hein. Aucun souci. Hein. On atterrit au Calzer. Aucun putain de problème. J'ai un hélico là. Un hélico ici. Et en plus, l'hélico... Les bunkers doivent être indiqués sur la carte. Il se recharge au calme. Repérez un endroit et allez-y. Mais les cinglés sont déjà en train de chasser. Ok. Dis-moi en plus, frère. Récupérez la carte afin de trouver ce qu'il y a. Ils envoient
tous les gars qui coincent sur leur putain de fauteuil. Faudrait pas qu'on vous perde encore. Ok. Rejoindre donc le chalet des Cooper et le chalet des Red Tail. Très bien. On en a un à 900 mètres, aucun souci. Et on en a un à combien? Il y a combien? 700 mètres? On va peut-être faire celui à 700 mètres. Hein. Il me paraît beaucoup plus proche. Jusqu'ici, les mecs, on s'en sort, mais tellement bien. Incroyable. Incroyable. Hein. Autant l'épisode dernier, je vous avoue qu'on s'est énervé très vite sur une partie de chasse. De chiasse, il faut le dire, oui. Oui, j'ai pas osé dire le mot chiasse, hein, d'accord? Mais autant sur la partie de merde qu'on a fait de pêche, on s'est fait agresser par tout le monde, c'était terrible. Autant là, on se régale. Moi, perso, les gars, je sais pas vous, je me délecte. Par contre, il y a un truc que j'aimerais comprendre. Les gars, on s'est foutu de ma gueule. Pourquoi? Pourquoi je peux plus... La vie... Je ne peux plus descendre, en fait. Allez, ça m'a saoulé, les gars. On y va. Ça a totalement cassé les couilles. Je ne sais pas pour quelle raison. Écoutez, on peut dire une chose, les amis. Je ne fais pas les choses à moitié. Quand je vous dis que ça me cassait les couilles, c'est que ça me cassait les couilles, ok? Ah, oh, c'est terrible, les gars. Putain, dur. Dur, dur, dur. Ouais, non, je suis désolé. Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai voulu faire dans l'extraordinaire. Et est-ce qu'on peut vraiment m'en vouloir? Pas vraiment. Trouver la cache du chalet des Cooper. Je ne comprends pas, en fait. Ça m'a saoulé. La vie de ma mère. Ah ouais, il faut tellement de temps. Ça m'a saoulé, ça m'a totalement saoulé. On va tout faire à Yep, les gars, ça va. Arrêtez de me prendre pour un connard. L'hélico refuse de descendre maintenant. C'est nouveau, ça vient de sortir. Donc toi... Hop, visage de nuque. Cartouche de space 12. Cartouche de space 12. Allez, encore aucune pitié. C'est Bibi qui régale. Ça, on se fait un petit plaisir, on le crochette. Aucun souci. Hop, on raquette. Y'a quoi là? Y'a quoi les gars? Qui va faire quoi? Ici y'a personne, personne va rien faire, ok? C'est moi le maître des lieux, mon pote. Ok, je dois faire quoi par contre? Allez, ça dégage, hein. Tu vois qui toi? Je m'en souviens pas. Hop. Vous voyez personne les gars? Moi j'ai rien vu, hein. Rien vu, rien entendu, hein. Ça dégage, hein. Ce qu'on peut reprocher au jeu peut-être un peu trop simple, si je puis me permettre. Alors, procédure d'urgence du chalet. En cas d'urgence, le chalet des Cooper est équipé d'un bunker. Descendez puis tirez la porte pour la fermer. D'accord. Jusqu'à la fin de l'urgence, il y a un bunker. Alors par contre, pour trouver le bunker, frère... Bon alors, vous avez trouvé? La cache est équipée d'un mouchard qui lance une boucle sur votre radio si vous l'approchez. Ils l'ont sûrement caché sous terre. Ils auraient jamais mis ça dans les chalets. Yes. Yes, ça m'aide pas, mais je suis totalement d'accord avec toi. Il y a un putain de bunker ici, et il va falloir le trouver, sûrement là-bas. Sûrement le petit cabanon de mort, là. Ça sent le bunker, ça. Ça sent totalement le bunker. Ça fait peur. Ok, c'est fait. Aucun souci. Vous l'avez? Mais bien sûr, mon pote! À la baraque suivante. Allez, go. Ça, c'est fait. On va faire le chalet des Red Tail, maintenant, hein, les mecs. Hein. Aucun souci, franchement, on s'en sort. Un petit peu comme... Mais c'est quoi ça? On dirait qu'il y a une vache, frère. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est louche, tu vois. Il y a un animal, il prend ce qu'il mérite, les gars. Mais épargnez-le, bordel. Mettez fin à sa vie, faites quelque chose. Il souffre, là. Ok, on y va. Ok, je vous vois sur les caméras. La planque doit être dans le coin. Et merde, une patrouille se dirige vers vous. Maniez-vous un peu. Allez. Il a dit maniez-vous, les gars. Vous savez ce que ça veut dire. Hein. Moi, quand on me dit maniez-vous, c'est très rapide. Hein. Ok. Regardez bien. Tout peut se passer très très vite. Allez, c'est terminé. Ça commence maintenant. Le furet a donné start. Yo, les gars. Très intéressant. Ok. 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 Y'a quoi? Ok. On va se cacher quand même, on n'est pas immortel.
Je vois rien avec leurs effets de lumière, putain. Toi, frère... Toi, t'as pas été doté d'une intelligence artificielle remarquable. Ok, y'a quoi d'autre? C'est bon? Aucun souci, les mecs. On est parti. Je suppose qu'il va y avoir encore un bunker qui est ici. La planque est forcément près du chalet. Regardez bien. T'inquiète, j'ai trouvé mon pote. Putain, ça fait peur ce qu'on doit ramasser. Imagine, t'entends une voix bizarre qui sort du... Du poste radio, là. Ça doit être terrible. Ça, c'est fait, les mecs. Ok. C'est fait. Merde, c'est la dernière planque. Bon allez, vous êtes tout prêts. Empêchez les cinglés d'embarquer nos réserves. Ah. Ah oui, d'accord. Ok, bon on y va les mecs, hein, aucun souci. Hein. On a quelque chose ici, qu'est-ce que c'est? Regardez, il y a une petite sombrerie ici là. Qu'est-ce que c'est que ce logo? Pièce de vinyle, très bien. C'est un objet à récupérer. Ok, aucun souci. Ah, c'est ça, vous êtes tout prêts? Ah, oh, ça fait mal, hein. Ça fait mal, hein. On y va en quad, ça fait longtemps, les gars. On s'est pas fait ce petit plaisir. Ah, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas pris un mode de voyage terrestre. Vous voyez ce que je veux dire? D'habitude, c'est vrai qu'on a tendance à prendre direct un hélico. On va dire que dans ce Far Cry, ils ont quasi tout simplifié, finalement. Et c'est peut-être un peu dommage. Hey, je vous vois sur la caméra. Attendez. Oh non! Ces enfoirés ont pillé tout ce qu'il y avait! Ils foutent le camp avec notre matos! Rattrapez-les et récupérez nos réserves! Vite! Ils s'échappent! Ok. Très très bien. Je suis mort, hein. Je suis mort. On va passer à côté d'un putain de. D'avant-poste. Les gars, j'ai pas de voiture. C'est bâtard, hein, ce qu'ils ont fait, hein. Vraiment, ça craint. Ok, ça c'est fait. Ok. Ma doublure cascade qui prend le coup. C'est chiant. J'ai plus de balles. Ah si, c'est bon. Oh là là. C'est incroyable! Attends, les gars, là vous abusez là, non? Abuse pas! Ça m'énerve! Arrêtez de me prendre pour des connards, messieurs! Allez, ça c'est fait! Ok, ça ira. Revenez où, Wolfstein. Quoi? Oh, j'y ai cru, putain. Bon, pas mission complete, pas mission. Arrêtez! Quelle est cette sombrerie? Oh, à conduire, c'est dégueulasse, hein. Je vais me foutre en l'air. Aïe! C'est terrible. Je suis à deux doigts de faire des choses terribles que je peux regretter. Allez, c'est bon. On est enfin arrivé. Oh, le paysage est magnifique. Regardez d'ici. Regardez comme c'est magnifique. C'est incroyable. C'est très, très beau. Faut remettre à César ce qui appartient à César, n'est-ce pas? Ok, il est caché dans le bunker. Forcément, il fallait s'en douter. On va donc aller le récupérer. Et il a une autre mission à me donner. C'est parti les frérots. Je te régale, tu me régales, on se régale. Putain, je suis content qu'on puisse utiliser ce matos au lieu de le laisser rouiller dans un bunker. Ça va bien nous aider ça. J'arrive pas à croire que vous ayez eu ces mecs. J'étais sûr qu'ils se tireraient. Si on avait eu d'autres gens comme vous ici, les tarés nous auraient foutu la paix depuis longtemps. Encore merci pour votre aide. Eh bien voilà messieurs, une des quêtes principales, c'est fait, le plein de matos et on a une nouvelle quête, 600 RP. Bon j'avais demandé 1000, on a été sympa, c'est pas grave. Vous vous souvenez de l'hôtel Grandview? Le trou à rats dont on a réussi à vous sortir? Faudrait y retourner. Jacob a chopé un Whitetail qui s'appelle Briggs et il utilise les mêmes saloperies sur lui que sur vous. Tout ça dans l'espoir que Briggs crache la position du Wolf's Den. Je pense pas que notre gars puisse tenir aussi longtemps que vous. S'il lui dit où nous trouver, on est mort. Va falloir agir très vite. Certains ici pensent que ce serait plus simple de buter Briggs. Et si on se met à tuer les nôtres pour sauver notre peau, on vaut pas mieux que Jacob. Pas question de tomber si bas. Voilà ce que je vous propose de faire.
Witty a préparé un petit package de déprogrammation, le même qu'on a utilisé sur vous. Il faudrait que vous remplaciez la bande qui diffuse dans la pièce où est Briggs par celle que je vais vous donner. Et ensuite, ben on verra ce qui se passera. Si tout va bien, notre gars retrouvera ses esprits. Et sinon, on improvisera le moment venu. Ok, le plan clairement pas ouf, hein, on va pas se mentir. Bon, on a Libération, lui il a une petite quête à nous donner, on verra ça un petit peu plus tard, hein. C'est pas bien grave en soi. On est parti. Alors, on a des quêtes où on a celle-ci qui a été donnée, rejoindre l'hôtel là où ils nous ont récupéré, hein, ils l'ont déjà dit. Détruisez les hélicos de Jacob. En vrai, qu'en pensez-vous messieurs? Donc moi je suis chaud pour faire celle-ci. On est parti. On y va. On va détruire des hélicos, et pour détruire des hélicos, quoi de mieux qu'un avion qui tabasse sévère. Et je pense que celui-ci, oh celui-ci il me fait kiffer, hein. Celui-ci je vais pas vous mytho, il s'appelle le chien fou, chasseur de meute. Ah putain, ils me font tous kiffer, on va prendre celui-ci, on va se régaler. Allez les gars, on va prendre cet avion, je sens qu'il va me faire rêver. Et on va détruire directement. Quoi? Quelle est cette sombrerie? Que c'est? Me faire enlever? Mais je vais pas encore me faire enlever, d'où Jésus! Mais! On s'est fait enlever deux fois en une vidéo! Foutez-moi la paix! Tu dois avoir vraiment faim. Ouais. Tu savais qu'il faut 10 jours pour qu'une civilisation s'effondre. Ouais. Prive un homme de ses besoins de base et il reviendra à ses instincts primaires en 10 jours pile. C'est quelque chose d'incompréhensible tant qu'on ne l'a pas vécu. J'étais en Irak, en 91. Dans la 82e fierté de l'Amérique. Ouah! Une nuit, il y a eu une attaque. Avec un type Miller, on se retrouve séparés de l'unité. Pas de bouffe. Pas de radio. La seule base est à 200 bornes vers le sud, alors on se met à marcher. Bon. Au bout de 3 jours, je sais qu'on est perdu. Le 6e, on se retrouve sans eau. Tu sais comment c'est, pas vrai? Dur de déglutir. Le 7e jour, les jambes de Miller commencent à le lâcher. Tu savais que ton cerveau pouvait manger tes muscles pour essayer de survivre. C'est pour ça que t'es maigre comme un clou. Et au 8e jour, les loups se rapprochent de nous. J'ai regardé Miller et j'ai compris qu'on était foutus. Mais je l'ai accepté. Et c'est à ce moment-là que j'ai ouvert les yeux. Tu vois, c'est pas Miller que j'avais en face de moi. J'étais devant une opportunité. J'en avais pas vraiment envie. Mais j'étais obligé de le faire. C'était mon épreuve. Mais tu vois, le sacrifice de Miller ne m'a pas uniquement permis de survivre. Il m'a aussi conduit ici. Les faibles peuvent être utiles. Tu t'en rendras compte très vite. Donc vous l'aurez compris, m'a conditionné pour qu'à chaque fois que j'entende cette musique, je revive exactement
ce passage dans l'hôtel insupportable. J'ai l'impression qu'ils sont quand même un petit peu plus nombreux. Ah bah les faibles. J'ai vraiment l'impression qu'ils sont un petit peu plus nombreux. Faut pas me prendre pour un connard. On va prendre ça. On va cartoucher des longs morts. Abattons les faibles. Aucun problème. Hop, carotide, hein. Carotide, ça dégage. Ok. Ok. Ça, c'est compliqué. Ça, c'est oui. Fait aucun danger. On l'a fait deux fois en une vidéo. Ça, c'est quand même assez incroyable. Je prends le MP5, c'est vraiment pour le style. Le plaisir. Du risque. L'amour. L'amour de tous. Ok. On peut tracer. Et c'est terminé. On va se réveiller. Dehors. Très bien. Autant cartoucher des longs morts avant. Ah non, la pièce est différente là. Ça me dit rien ça. Si. Si, si, c'est bon. Voilà. Ok, aucun problème. Toujours des loups, hein, vous l'aurez compris. Et c'est fait. Vous êtes bien trop faible. Faut que tu sortes de là avant que ça recommence. Suis-moi. Ça va partir en couille. Ça me fait un petit peu peur, je vous avoue, ce qui va se passer. La routine, et il entre dans ta tête. Et tu t'en rends pas compte. Tu peux plus revenir, tu comprends? Tu dois surtout pas revenir. Allez, faut monter sur ce camion. C'est presque l'heure. J'ai bien étudié le tracé. C'est la seule issue. Tout ira bien, c'est... Non, 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 pas maintenant! Pas déjà! Oh merde! Merde! Non! 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 Désolé. Salut officier, je
sais pas trop où tu te caches, mais tu devrais faire un tour au croisement, là où on trouvait le Grill Streak avant. Ils ont un truc là-bas, faut vraiment que tu vois ça. Y'a pas de place pour toi dans le Nouveau Monde! Mais il sort d'où, lui, les gars? C'est improbable. Ok, donc j'aurais donc été programmé, forcément, pour tuer... pour tuer mes potes, hein, les résistants, vous l'aurez compris. On va s'arrêter là pour cette vidéo, on a été kidnappé deux fois en une vidéo, c'est quand même assez incroyable. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire, je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures américaines. Portez-vous bien, ciao ciao.